Bonjour à tous les frères, oui les Blanquettes, aujourd'hui on retourne exceptionnellement une dernière fois, là je vous annonce la dernière, une dernière fois sur le portail de Zama Black. Encore une fois je le dis, je le répète, oui je le veux pour la collection, mais il finira par tomber un autre jour quand je m'y attendrai pas. Bon j'avoue qu'ici le taux drop est intéressant, mais c'est un portail cacarotte les amis, c'est un portail cacarotte. Et en plus il n'y a pas de promo, du coup les DS coûtent cher et ça me saoule un peu hein, de payer plein pot. Maintenant, comme je l'avais annoncé, je me contente vraiment que des DS gratuits du jeu plus les promos. Et en dehors de ça, je vais vraiment me limiter. Là c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment les 150 DS, je ne mettrai pas plus. Tant pis si je le drop pas. Le Super Battle Lord Extreme Tech. C'est pas ma priorité dans la vie. Hein. Cette année j'arrive à faire un court métrage, un nouveau court métrage, là j'aurai l'impression d'avoir avancé dans la vie, tu vois. Donc, c'est pas lui qui m'intéresse, même si pour la collection, vraiment, pour pouvoir faire un screenshot et dire voilà, je les ai tous. Bon allez, c'est parti. On va rechecker rapidement le portail Kakarot. Hein. C'est vraiment un portail Kakarot. Bon voilà, oui, lui on le veut, SP gratuite, etc. Lui, on le veut plus. Lui, on veut plus. Lui, toujours pas droppé. C'est rare. C'est rare des unités que je ne possède toujours pas. Est-ce que je vais finir par le dropper? Après, le reste, ne m'intéresse pas. La carotte ici. Les SR. Alors, pourquoi pas d'autres mailles pour la SP10. Celle-là, je l'ai pas SP10. Celle-là, OZEF. Hein. Celle-là, elle servira pour monter l'aspect de celle-là. Bon, après, j'en veux pas. Hein. Une multi, 10 singles, une multi, et après, finito. Ou sinon, on finira par les singles. Ça m'a fait mal au cœur d'acheter des DS à plein pot, là. Ça me fait mal au cœur. Sachant que j'ai pas mal de charges à payer, tout ça, des taxes en tout genre. Alors, je rappelle que le taux drop de ce Zama Black est de 0,40%, que tous les Neo LR sont disponibles sur le portail, à hauteur de 0,04%. Et que les portails Neo LR vont être en rotation pendant les 3 ans. Donc il y aura un portail dédié à Guan LR, un portail dédié à Majin Vegeta, un portail dédié à... Il reste qui ? Attends, il reste qui ? Il y a Zama Black, Majin Vegeta, deux unités qui n'ont jamais été annoncées. Ah, il y a Broly qui revient aussi. Il y a Broly. Et Guan. Ah oui, c'est ça. C'est les 5 Neo LR. Enfin bref. Donc tous ces. Enfin, sur chaque portail, en fait, tu vas pouvoir dropper. Avec un taux de drop assez bas. Tous les autres Neo LR. Donc, si t'es chanceux, tant mieux. Si t'es pas chanceux, tant pis. Oh, ce Zamasu. C'est vrai que ce portail, il y a pas mal de Zamasum. Hein. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez droppé de bien sur ce portail, les amis. Moi, pour l'instant. C'est mitigé. Si je pouvais dropper au moins une nouvelle carte, tu sais quoi, la première multi est toujours. Qu'est-ce qui t'arrive d'Okan Battle? Je compte sur vous les amis. N'oubliez pas le petit Genki pouce bleu. Donnez-moi des bonnes vibes. Les amis. Je rends la luck, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'il fait un fuck en fait. En même temps, j'ai dit, hein, moi les rageux, je les aime pas. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il me fuit. Mais je m'en fous que tu sois enragé, je veux juste pour la collection. D'ailleurs, j'ai toutes tes versions, hein. J'ai l'intelligence, j'ai la puissance, j'ai l'agilité, j'ai toutes tes versions, la version rosée, donc... Après, je trouve que Zama Black... de tous les Neo LR, j'avoue que c'est pas celui que je préfère, clairement. Il met trop de temps à monter en puissance, en fait. Même si, sa régénération est intéressante... c'est ce genre d'unité qui augmente son attaque à chaque fois qu'il bloque. Il n'a pas de boost en défense, excepté quand il part en spé ultime, je crois. Donc, sur le Super Battle Road, même si tu lui donnes 2000 points d'orbe, 2000 points de stats, tu vas pas aller très très loin, les amis. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont sortir comme Neo LR, parce que là on a eu il y a un mois maintenant, voire même un mois et demi, Goku SJ3 avec les LR des catégories, qu'est-ce qu'ils pourraient sortir?
Bah, il faut pas sortir un Jiren LR tout de suite. Alors Goku Ultra Instinct LR, ça foutrait le seum. Hein. Du coup, ça veut dire que l'autre, il pue la merde. On s'est tous fait chier à le SP10. Parce que sa SP était très longue à farmer. Ah, ça foutrait le seum. Hein. Ouais, ça foutrait le seum de ouf. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir comme Neo LR. Bah, là, il y a eu tellement de hype avec les LR de catégorie que je sais pas ce qu'ils vont sortir pour rendre... ce nouveau Neo LR intéressant. Je rappelle, les nouveaux, enfin les LR, les Neo LR nouvelle génération qui boostent les stats à qui plus 4, enfin qui donnent qui plus 4 et 100%, 100 et 100% de boost de stats pour le super ou l'extrême, plus un peu moins de ki. Ah, peut-être un bye bye. Non, oui, j'ai cru voir arc-en-ciel. Non, une saucisse, merci beaucoup. Pour l'instant, donc on a eu Goku SLJ3, Boshaki et Mighty Mask. En théorie, il devrait en sortir 10. Parce que t'as un boost pour l'extrême et t'as un boost pour le super. Donc il faut 2 pour chaque type. Pour l'instant, on a eu l'extrême intelligence, on a eu super agilité et on a eu. Troisième, c'est quoi? Super Tech. Donc en théorie, le prochain, ce serait un méchant. Parce que ça fait super, extrême, super. Donc extrême, le prochain. Un topo Neo LR. Alors déjà, sortez-nous un topo respectable. Parce que bon, le support, il faut être un peu là. Enfin, il est pas mal, mais en termes de support, il y a mieux. Un support, enfin, un Neo LR extrême. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre? Des méchants extrêmes, bah à part encore Golden Freezer, mais bon. Il vaut pas nous sortir des Freezer à tout va là, c'est bon, on en a marre là. Et le monstre qui ressemblait à Hachiak, sorte de fusion bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a comme méchant sinon d'intéressant? Enfin, Ribrian. Ribrian, ça clique. Les caniches, ouais. T'as Dragon Ball Super, c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler des personnages emblématiques, enfin surtout des méchants. Bah, ils peuvent sortir Kale, mais Kale LR tout de suite, ça je trouve c'est un peu précipité quoi. Kale SCJ2, ah oui, une version SCJ2, SCJ contrôlé quoi, SRJ Berserk contrôlé. Ah, attends, j'ai toujours pas droppé de SSR depuis tout à l'heure là. Eh les gars, rendez-moi mes DS là. Là, ça ferait la deuxième multi. Donnez-moi le Trunks. Au moins, j'aurais l'impression d'avoir de pas repartir les mains vides. Ah, moi, je suis pas hyper gourmand. Juste le Trunks ou le Zama Black, et puis on en parle plus. Hein. Donc, comme ça, je me casse de ce portail. On passe à autre chose. Non! Non, 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 tu n'auras pas ce que tu veux. Non, 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 non. Oh, je l'ai droppé celui-là. Je l'aurais droppé sur le portail de Broly, je me rappelle. Oh là là, il est horrible. Bon, est-ce que je tente encore 10 singles? Mes 10 dernières singles. Est-ce qu'on prend le temps de savourer? Allez, dernière, 10 singles. Allez. J'ai droppé en single sur la globale. Donc, je vais refaire le même exploit. Comme ça, je vais pouvoir économiser des DS. Parce que le prochain tournoi arrive à grands pas, je pense. J'ai plus de DS, j'ai pas envie d'en acheter. Sauf si, comme j'ai dit, il y a des promos. Non mais les gars, donnez-moi au moins le Trunks. Moi j'aime pas ces portails où t'as 30 000 unités quoi. Oh, c'est de la cacarotte les gars. En fait, si Gogeta m'avait pas coûté un bras, hein, parce que j'ai dû faire plusieurs vidéos pour le dropper. Là, j'aurais peut-être fait un peu plus d'efforts, mais là, non. Oh, non. Trop de charges, les amis, trop de charges, trop d'impôts, trop de trucs imprévisibles, imprévus. Les frais bancaires que tu découvres, tu dis, waouh, il y a tout ça qui part en fait. C'est un peu violent, quoi. Et puis, je le dis, je le répète, un Zama Block, que je l'ai ou pas, hein, ça changera pas ma vie. En tant que personne, évidemment. Oula, j'ai fait tomber un truc.
Et puis c'est vrai que bon, c'est un LR de première génération, hein, faut être honnête. Hein. C'est autant le dropper à l'époque, c'était le feu. Ah, oh, à chaque fois je crois c'est que c'est l'autre, le nouveau Trunks Ikari. Alors moi je pense que plus les années vont passer, plus ces LR première génération vont être offerts. Là franchement, de Zamamla qui passe de 0,04 à 0,08 maximum sur le portail Monotech, il passe maintenant à 0,40%. Quasiment x10 le taux de drop quoi. L'année prochaine. Oh là 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 là. Oh le sida. Une des rares cartes que vraiment qui porte le nom du sida quoi. Mais vraiment, il y a des cartes comme ça, tu dis mais jamais de la vie tu les drops. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce portail fou, le Zamasum. Des cartes oubliées. Des cartes oubliées d'internet. On sait même plus ce qu'il vaut. Je crois qu'une fois que tu l'as monté, il se donne juste du ki quoi, mais il fouette. Deux SSR. Bon, deux SSR qui vont finir chez Baba, les amis, pour l'instant. Je vais voir, si je peux encore récupérer des DS gratuites avec les bonus de connexion. Peut-être que je continuerai à faire des singles offline. Et peut-être qu'à ce moment-là, la single fera mouche. Non, mais là, j'avoue que sur la globale, j'étais pas prêt. Quand j'ai droppé sur une single, mais vraiment sur une seule. Et encore, j'étais là, je faisais autre chose. Je suis allé, je claque comme ça. Je fais autre chose. Je vois que l'écran s'est brisé. Et là, je fais, mais non. D'ailleurs, j'ai toujours pas éveillé, hein. Toujours pas speedy, toujours pas éveillé. Il reste dans un coin, il attend, il prend la poussière. J'avoue que je l'ai pas respecté. Hein. Je l'ai pas respecté sur la version globale. Voilà. C'est l'ironie du sort, voilà. El famoso ironie du sort. Quand tu le veux pas, tu le drops. Et quand tu le veux, tu le drops pas. Non, mais je pense que je finirai par le dropper, mais sur un autre portail. Je suis sûr que ce sera sur un autre portail. Sur un nouveau Neo LR que j'essaierai de dropper. Et je finirai par le dropper. Vous allez voir, c'est quasiment sûr. Ou ici sur la dernière single. Allez, trois dernières singles. Pour ce portail, après, je verrai avec les DS gratuites. À la limite, je continuerai peut-être à invoquer, mais juste avec les DS gratuites. Je sais pas quand est-ce qu'il part ce portail d'ailleurs. Attends. Il part dans. Quoi, il part dans 10 jours? Attends, j'ai mal vu, non. J'ai mal vu. Ah non, il part dans un jour. Non, il part dans un jour. Dans un jour, je pourrais faire une single, hein, avec deux jours de connexion. Il y aura moyen de faire peut-être deux singles. Arc-en-ciel. Satan sur la gauche. Est-ce que Satan sur la gauche, ça veut dire quelque chose? Quand je vois Captain Tsubasa. Oh, et c'est J3. Pourquoi? Mais donne-moi au moins l'autre. Donne-moi au moins l'autre. Celui-là, on s'en bat les steaks. On s'en bat tellement les steaks. Oh, j'ai le seum. Bon allez, dernière single. C'est parti. Pour la bancaire, pour la nation française. C'est parti. Le SSR qui tombe maintenant. Ça sent super bon. Ça sent super pas bon. Ouf, il se transforme. On n'aura pas un R, hein, on n'aura pas un Nail R pour finir. C'est rare d'avoir un SJ3 avec un Satan sur la droite, c'est déjà arrivé. Et non. Et ben non, les amis. Jusqu'au bout, j'aurais cru un retournement de situation. Donc voilà, Zama Black, c'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. On essaiera quelques singles un peu plus tard, mais. Enfin, avec les DS gratuites, mais on va s'arrêter là, les amis. Tant pis, on a quand même droppé 3 SSR, mais les 3 vont finir chez Baba. Et oui, ce portail est horrible. Hein. C'est pour ça que ce genre de portail génère plus de frustration qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai pas envie de le chasser. Il faut mettre trop d'argent, je préfère faire autre chose. Je pourrais m'acheter une nouvelle PS4 Pro ou une nouvelle caméra pour pouvoir faire double caméra haute définition.
Enfin bref, bah j'espère que vous me soutenez dans ce lot combat de solitude face à Zama Black. Évidemment les amis, j'ai décidé de ne pas en rester là et j'ai claqué une dernière ultime multi-invocation. Par contre je l'ai fait offline. Et là les amis, et là. Un miracle s'est abattu sur mon téléphone. Je tenais à vous dire que dans la vie, il faut être en mesure de se relever lorsqu'on tombe. C'est comme ça qu'on devient plus fort, tel un Saiyan. Si vous regardez régulièrement cette œuvre, chaque Saiyan a connu des déboires et à chaque fois, ils se sont relevés. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. La vie, c'est un long chemin semé d'embûches, donc à chaque fois tu tombes, mais voilà, il faut être en mesure de se relever. Parce qu'on finit toujours par atteindre ses objectifs si on est en mesure de se relever à chaque coup bas. Donc voilà les amis, c'était mon petit message. Voilà, je voulais un Neo-LR. J'ai droppé un Neo-LR. Hélas, ce n'est pas le bon Neo-LR. Donc je vais continuer à trébucher, puis à me relever pour devenir de plus en plus fort. Bon, finalement, je suis quand même content. Hein, un petit Bojaki, hein, c'est quand même le feu. Donc un petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis Zama Black, écoute bien ce message. Je t'aurai un jour. Alors pas aujourd'hui, mais je t'aurai un jour. Passez une bonne journée, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis matez mes dernières vidéos. Sur ce, ne lâchez jamais l'affaire. À très bientôt. Ciao.